Dans un décor très républicain, entouré d'élus et non de responsables religieux, Dalil Boubaker a été invité dans la circonscription de Lunel pour parler avant tout des valeurs, celles de liberté et de laïcité qui priment sur toute autre référence ou croyance. C'est la laïcité qui nous permet de vivre ensemble parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça et c'est parce que c'est une loi de 1905 qui fait que nos différences de croyance, qu'on en ait ou pas, ça n'est pas ça qui va nous caractériser les uns par rapport aux autres. Dans la salle polyvalente de Saint-Just, près de Lunel, 300 personnes invitées par le député socialiste Patrick Vignal et le Grand Orient de France. Des élus de gauche principalement, des représentants des mosquées de Lunel et de Montpellier ou du milieu associatif. Devant ce public choisi et forcément limité, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a défendu l'islam moderne. Vivre avec son temps nécessite l'abandon des archaïsmes, l'abandon des choses stupides, des choses criminelles qui font le mal des sociétés musulmanes. Nous vivons dans un pays moderne, nous ne sommes pas dans un pays du Moyen-Âge. Alors n'improvisons pas des données archaïques dans un pays du XXIe siècle. Les questions sont restées polissées. Le sujet des jeunes lunellois partis en Syrie n'a pas été abordé. Les auditeurs ont apprécié le discours. On vit ensemble, c'est ça. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut que... Voilà. Des piqûres de rappel peuvent toujours faire du bien, que ce soit à Lunel ou ailleurs. C'est vrai qu'ils ont été marqués par des départs en Syrie, mais forcément ça peut faire que du bien. Je repars contente, je trouve que c'est bien dans la suite du 11 janvier en fait. Voilà, dans cette logique et dans cette dynamique, pourvu que ça ne s'arrête pas. La soirée s'est conclue par une chaîne de la fraternité, chacun tenant la main de son voisin.